Dieu. Et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Le Créateur de l'univers, omniscient et omnipotent, désirait notre ami. Il veut marcher avec nous, parler avec nous et partager sa vie avec nous. Il nous a créés principalement pour avoir une relation avec nous. Et pour ce faire, il suffit juste de lui ouvrir notre cœur avec foi. La Bible dit que Dieu est un ami qui est fidèle, qu'il ne vous abandonnera jamais et qu'il se soucie de vous. En un mot, il pense sans cesse à vous. Quelle honneur et quel privilège que d'être appelé ami de Dieu. La prochaine fois que l'ennemi tentera de vous faire croire que vous êtes tout seul dans ce monde ou que personne ne peut comprendre ce que vous traversez, déclarez tout haut: j'ai un ami fidèle et tendre, toujours prêt à m'aider, c'est Jésus-Christ.
soit Christ. Ce Jésus que je connais, en qui je crois, c'est lui, le Fils de Dieu. Il a encore fait pour nous sauver. Il s'est fait homme, a été crucifié, abandonné, méprisé. Il est mort, enterré. Mais il est sorti victorieux de la tombe. Alléluia. Amen. Permettant tous d'avoir l'espoir de ressusciter et de vivre pour toujours avec le Seigneur. Cette espérance est réservée dans le ciel où Christ est assis à la droite de Dieu. Elle est révélée dans l'Évangile. Elle est l'image de Dieu. Elle est vivante en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Sœurs, frères, ne nous laissons pas détourner d'une telle espérance. Thank you.
pour beaucoup de gens fait expérience qui est cassée. Et pour que le cœur bat tellement fort, on souffre, on crée pour aider. Si vous faites expérience, on ne va pas comprendre ça. Mais si vous faites, on va comprendre. On va comprendre la valeur du battement du cœur. Moi, je vais me dire ça, Jésus fait dans la vie. Qui t'aime seulement dire, mais c'est tout pareil. La paix, la joie, la vie. Et vous-même, qui savez? Thank you.
Yo ta